Bonjour tout le monde. Nous allons faire l'avant-dernière page de notre album ensemble. Sur la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés ici. Nous allons maintenant faire l'avant-dernière page. On va prendre notre première feuille de décoration qui fait 10 sur 15 et nous allons découper un morceau de papier craft de 10,5 sur 15,5. D'un morceau de papier craft qui fait 19 cm sur 12 cm avec son pli vers le bas à 1 cm. Son papier de décoration qui fera 18,5 sur 10,5 cm. Un autre morceau de papier craft qui vous fera 19 cm avec son pli à 1 cm sur 8 cm. Et son papier de décoration qui fait 18,5 cm sur 6,5 cm. Notre feuille de fond qui fait 18,5 sur 18,5 cm. Notre base de page principale qui fait 19 cm sur 21 cm avec son pli à 1,5 et 2 cm. Pour le verso de notre page principale, il va nous falloir une feuille de décoration de 18,5 sur 18,5 cm. Un morceau de papier craft qui fait 10 cm sur 15 cm avec un pli à 1 cm sur deux côtés. Sa feuille de décoration qui fait 13,5 sur 8,5 cm. Un morceau de papier craft qui fait 20 cm sur 14 cm avec un pli à 10 cm. Trois feuilles de décoration qui vous feront 13,5 sur 9,5 cm. J'ai oublié de vous préciser qu'avec ça, il nous faudra une pince parisienne. Nous allons commencer par faire le recto de notre page. Nous allons présenter nos découpes comme ceci. Avec la carte qui sera au centre, on fera un effet de tourniquet. On va commencer par encoller notre page de décoration qui fait 18,5 cm sur 18,5 cm sur notre page principale qui fait 21 cm sur 19 cm avec son pli à 1,5 et à 2 cm. Pensez à laisser les 5 mm du bord. On va prendre maintenant notre feuille de décoration de 18,5 cm sur 6,5 cm avec son morceau de papier craft qui fait 19 cm sur 8 cm et son pli à 1 cm et nous allons arrondir deux angles. Faire la même chose avec le morceau de papier craft qui fait 19 cm sur 12 cm avec son pli à 1 cm et sa feuille de décoration qui fait 18,5 cm sur 11,5 cm. On va encoller notre feuille de décoration sur notre papier craft.
toujours pensez à respecter les 5 mm du bord. Tracez son pli à l'aide de votre plioir à 1 cm. Découpez les angles de votre rabat. Nous allons faire la même chose sur la partie restante. Tracez son pli à l'aide de votre plioir. Puis découpez les deux angles. Nous allons arrondir les quatre angles avec notre perforette sur la feuille de papier craft qui fait 10 cm et demi sur 15 cm et demi avec sa feuille de décoration qui fait 15 cm sur 10 cm. On encolle notre feuille de décoration pour la coller ensuite sur notre papier craft. Bien entendu, respectez les 5 mm du bord. On reprend notre page principale pour ensuite pouvoir positionner nos deux rabats. Le plus grand rabat se met vers le bas et le plus petit vers le haut. Faites bien attention d'enlever le surplus de la colle qui se trouve à l'intérieur du rabat. On reproduit la même chose avec le petit rabat qu'on va mettre vers le haut.
voici ce que vous devez obtenir. Vous allez avoir besoin d'une pique pour faire le trou, de votre attache parisienne et d'une règle. On va placer notre carte devant avec l'attache parisienne qui nous servira à faire un système d'ouverture et de fermeture. On va placer notre carte à 1,5 cm de chaque côté et en dessous 1 cm. On positionne notre règle et on fait un repère à 9,25 cm. Ce repère va nous servir à faire le trou pour qu'ensuite nous pouvons y passer l'attache parisienne. Placez votre pique et enfoncez de façon que ça traverse le papier pour pouvoir ensuite avoir le repère dessous. Commencez par faire déjà le premier trou sur la carte. Puis ensuite, repérez-vous du repère de la pique et faites le second trou. On insère l'attache parisienne dans le premier trou. Et on vient le placer sur la page principale en bien fermant l'attache parisienne derrière. Voici le système, je trouve ça assez rigolo. Notre page recto est terminée. On va commencer la page verso de notre page principale. Il vous faudra votre feuille de décoration qui fait 18,5 cm sur 18,5 cm. Votre feuille de décoration qui fera 8,5 cm sur 13,5 cm et un morceau de papier craft qui fera 10 cm sur 15 cm avec un pli sur les deux côtés à 1 cm. Trois feuilles de décoration de 9,5 cm sur 13,5 cm et notre morceau de papier craft qui fait 20 cm sur 14 cm avec un pli à 10 cm. On va prendre notre morceau qui fait 10 cm sur 15 cm avec les deux plis à 1 cm sur le côté et on va découper les angles. L'angle restant, nous allons l'arrondir avec la perforette. J'en profite pour découper l'angle sur ma feuille de décoration qui fait 8,5 cm sur 13,5 cm. Si vous avez des motifs sur le papier de décoration, faites bien attention de le mettre dans le bon sens. Avec mon plioir, je vais tracer les plis. Nous allons coller notre feuille de décoration dessus. Prenez comme repère votre arrondi d'angle. On va coller les rabats sur notre feuille qui fait 18,5 cm sur 18,5 cm.
vous devez obtenir ceci. On reprend notre page principale, où c'est que nous allons encoller maintenant la feuille qui fait 18,5 cm sur 18,5 cm. Positionnez votre rabat sur votre gauche en laissant toujours les 5 mm du bord. Découpe les deux angles du rabat de la page principale. Et pour finir, nous allons prendre notre feuille de 20 cm sur 14 cm avec son pli à 10 cm et avec notre perforette d'angle, nous allons arrondir les 4 angles. Également les 4 angles de nos 3 feuilles de décoration qui font 9,5 cm sur 13,5 cm. Choisissez l'ordre de feuilles de décoration afin de pouvoir les coller à la suite sur notre base. Puis vous les collez. Faites toujours attention lorsque vous avez une feuille de décoration avec un motif de le mettre dans le bon sens. Faites la même chose avec les papiers suivants. Nous allons pouvoir le placer dans la petite pochette de la page principale.
Notre avant-dernier repage est terminé, il ne reste plus qu'à mettre le double face sur le rabat pour pouvoir ensuite le positionner sur la structure de l'album. Si la tache parisienne visuellement vous dérange, n'hésitez surtout pas à y coller dessus une photo. On s'aligne correctement sur les repères suivants de notre structure d'album. Il ne reste plus qu'à faire notre dernière page sur la vidéo suivante et notre album est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. À bientôt.